Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, take my hand. In other words, let's go to the moon. Fly me to the moon. Bonjour depuis la Lune, je m'appelle Bernard Foin et je suis un ancien élève de l'école normale supérieure Paris-Saclay où j'avais étudié physique et l'agrégation et fait ma thèse. Puis j'ai travaillé à l'Observatoire européen austral au Chili, au CNRS à Orsay et j'ai fait ma carrière ensuite à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, à l'ESTEC, au Centre de recherche technique aux Pays-Bas. J'ai été aussi le responsable scientifique de la première mission robotique vers la Lune que nous avons lancée il y a 20 ans, SMART 1. Le pas suivant dans l'exploration de la Lune, ce sera d'engager tous l'espace pour tous, pour la science, la technologie, aussi l'exploitation des ressources, la paix, l'inspiration, l'éducation. Et dans ce cadre, nous avons développé un programme avec le soutien de la Commission européenne qui s'appelle Eurospace Hub. Ce mois-ci, j'ai à l'UNI, à l'intérieur du site, nouveau site de Paris-Saclay, avec une base lunaire. Et nous allons partager ceci avec le public à l'occasion de la fête de la science à l'ENS Paris-Saclay. Et bien maintenant, je vous invite à découvrir l'intérieur de notre base lunaire, Exospace Hub Express, que nous avons installé à l'ENS Paris-Saclay. Donc, bienvenue sur notre base lunaire mobile, Exospace Hub Express. Donc, nous avons installé à l'ENS Paris-Saclay pour la fête de la science. Il y a plusieurs éléments. Il y a un module laboratoire qui est rigide et qui est transportable, mais nous avons aussi développé une structure gonflable et qui est aussi une bonne préparation à ce que nous voudrons faire dans l'espace, puisque nous pourrons avoir plus de volume pour des opérations dans l'espace ou sur la Lune. Et là, nous avons déployé un certain nombre d'artefacts pour illustrer les activités que nous aurons dans l'aventure spatiale et lunaire. Nous commençons avec l'espace.0. L'espace.0, c'est l'astronomie. C'est comprendre, observer le ciel et les planètes pour comprendre où nous sommes et aussi pour comprendre que nous sommes des citoyens et des astronautes du vaisseau spatial Terre. Il suffit de s'allonger l'été et de regarder la Voie lactée et vous allez comprendre que nous sommes tous des astronautes. Et dans ce cadre, nous voulons aussi apporter l'espace sur la Terre. Donc nous avons développé des expériences d'analyse de données qui viennent de l'espace, mais aussi le développement d'instruments que nous pouvons préparer, tester et que nous voulons envoyer dans l'espace. Mais nous avons aussi organisé les essais de ces terrains dans des milieux extrêmes, similaires à la Lune et Mars, comme le mont Etna ou le Hawaï ou des déserts martiens. Et nous avons aussi développé un programme avec des habitats où nous enfermons les astronautes pour quelques semaines ou même quelques mois et nous les faisons travailler de façon interdisciplinaire et internationale. Qu'est-ce que cette balle de volley-ball? Cette balle, en fait, nous l'avons créée quand nous avons obtenu les premières images de la Lune avec notre mission SMART 1. Vous pouvez voir ces premières images, une représentation du satellite SMART 1 que nous avions envoyé autour de la Lune. Et nous avons donc produit ces balles de volley-ball pour le public, pour les jeunes. Celle-ci a même volé en vol parabolique. Donc ce vol que l'on fait où vous avez un avion qui tombe et pendant 20 secondes, vous pouvez représenter une gravité zéro ou vous pouvez aussi simuler la gravité sur la Lune ou sur Mars. Donc voici des œuvres d'art dans le cadre d'un programme qui s'appelle Art Moon Mars, un programme où nous faisons la liaison entre des artistes, des innovateurs et l'espace. L'un des projets est d'envoyer une galerie d'art vers la Lune avec 100 œuvres d'art. Mais comme on me demande 1 million d'euros par kilogramme, j'ai eu l'idée de faire une galerie d'art miniature
de 10 par 10 cm et chaque œuvre d'art ne fait que 1 cm cube. Alors pour les exposer, j'ai demandé aux artistes de me fournir aussi une grosse version de chacune d'entre elles. Ici, nous avons un espace qui est utilisé à la fois pour entraîner les astronautes qui doivent faire de l'exercice puisque bon, sur la Lune, la gravité est de 1/6 de la gravité terrestre et donc les muscles et les os aussi se détériorent et donc il faut faire de l'entraînement. D'ailleurs, vous pouvez à la fois vous exercer mais aussi explorer le cosmos et ici vous avez une carte des étoiles et de la Voie lactée. Alors nous avons aussi donc le laboratoire lunaire où nous pouvons entrer et nous faisons des simulations où nous allons fermer complètement l'accès et isoler les astronautes pour qu'ils aient une simulation réaliste de ce que seraient leurs activités scientifiques, techniques, physiologiques, aussi interactions sociales, comme s'ils étaient sur la Lune. Donc pénétrons notre laboratoire. Alors voici notre laboratoire. C'est un espace de vie et de travail où nous avons donc déployé un certain nombre d'équipements scientifiques. Vous reconnaissez des racks, où donc c'est des rangements pour divers éléments d'expérience scientifique. Et il faut aussi être bien rangé ses affaires quand vous allez dans l'espace et sur la Lune pour bien les retrouver. Dans la station spatiale, si vous ne les rangez pas, elles flottent et vous les retrouvez à un endroit impossible. Sur la Lune, bon, il y a 1/6 de gravité. Nous avons aussi un ensemble d'équipements. Par exemple, nous avons emmené une imprimante 3D. Parce que quand vous êtes sur la Lune, si vous avez oublié un accessoire, vous ne voulez pas attendre 5 jours qu'il vous le renvoie et vous pouvez aussi créer des objets qui sont utiles pour votre travail. Nous avons aussi donc des échantillons. Nous aurons des échantillons de la Lune. Ici, ce sont des échantillons d'un volcan de Hawaï, très similaire à ceux de la Lune. Nous pouvons les analyser avec des microscopes, avec des caméras. Nous avons même un spectromètre miniaturisé qui d'ailleurs a été envoyé dans l'espace sur des satellites cubiques et où vous pouvez mesurer le spectre électromagnétique, donc la distribution de la lumière en fonction de la couleur, depuis le bleu à 400 nanomètres jusqu'au l'infrarouge à 800 nanomètres. Et vous pouvez ainsi déterminer la composition de ces roches. On peut même chercher des signes de vie en regardant par exemple la signature dans l'infrarouge pour détecter la végétation. Nous avons aussi des rangements. Nous avons donc les activités de chaque jour où les divers astronautes ont déjà un plan de ce qu'ils doivent faire, qu'ils discutent à long terme, aussi la veille et le matin. Et donc ils doivent être organisés puisque si vous passez une semaine sur la Lune, il faut être très efficace pour faire le maximum de recherches. Donc des chercheurs du monde entier vont proposer des recherches en technologie, analyse des matériaux, des échantillons, analyse physiologique, analyse sociale et psychologique. Et donc il y a un programme très serré. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer et ils n'ont même pas le temps d'avoir des conflits entre eux puisqu'ils ont beaucoup de travail. Bon, nous avons aussi simulé avec une caméra sur le plafond ce que peut être la vision de la Terre depuis l'orbite. La question qu'on se pose toujours, c'est comment vivre dans l'espace et sur la Lune, et en particulier avec les restrictions d'eau et de nourriture. Et c'est ce que nous entraînons nos astronautes. Ils ont chaque jour une réserve de 2,5 litres d'eau pour leurs besoins. Par exemple, ils peuvent utiliser ceci avec de la nourriture spatiale, donc en poudre. Là, vous avez une bonne soupe de viande, du poulet, et pour les végétariens aussi, évidemment, il y a un menu. Quand nous vivons sur la Lune, nous serons très végétariens puisque ce sera beaucoup plus effectif. Et nous aurons aussi des systèmes pour faire pousser des plantes sur la Lune. Nous avons d'ailleurs ici une petite plantation
qui est aussi en développement et qui pourrait être utilisé pour faire pousser de la salade, des radis et autres et autres nourritures qui ont un effet psychologique, un effet nutritif. Et c'est aussi important d'avoir cette activité de s'occuper de plantes. Hein, donc. Alors, au niveau de l'eau, nous avons des réserves d'eau qui sont données au début de chaque mission. Nous avons, alors sur la mission réelle, il y aura un recyclage donc, de l'eau de transpiration, des urines qui seront filtrées et que vous pourrez boire après quelques jours, après filtrage. Pour l'hygiène, nous avons donc représenté ici un système. Bon, donc il y a une toilette terrestre, mais dans l'espace, il faut un aspirateur hein, pour utiliser les toilettes. Et nous avons aussi un quartier où chacun des astronautes ont leurs accessoires d'hygiène. Donc ça donne aussi un moyen d'apprendre à utiliser avec le minimum de ressources. Alors, nous avons installé cette base pour 4 astronautes qui la partagent et ils ont aussi la possibilité de se reposer. Pour cela, nous avons donc 2 capsules de repos, donc privatisées. Donc, on a un moyen d'isoler un peu au calme, bon, avec une possibilité aussi d'accès à des. Travailler d'ailleurs où on peut moduler la lumière de ces capsules pour en couleur et en intensité pour aussi voir les effets de performance et psychologique de l'humidité. Évidemment quand on sera dans l'espace et sur la lune aussi on aura un peu de musique et par exemple on pourra chanter Fly me to the moon and let me play among the stars. Donc bienvenue à notre programme Euromoon Mars, à notre base Eurospace Hub Express. Nous allons en construire une plus grande plus tard, mais ceci est un bon moyen d'inspirer, d'entraîner les chercheurs, aussi de parler au public, éventuellement de susciter des vocations chez les jeunes pour innover, pour étudier la science, l'ingénierie, l'innovation, les arts. Et nous pensons que chacun doit être exposé à ce que sont les bénéfices de l'espace pour la vie de tous les jours. Et nous avons créé un mouvement qui s'appelle Space for All, donc l'espace pour tous, sur la Terre et au-delà. Alors pour cela, vous êtes bienvenus à nous rendre visite sur la base lunaire sur le campus de l'ENS Paris-Saclay, en particulier les prochaines semaines et lors de la fête de la science. I love